Bien, salut tout le monde, c'est Amaterasu 2300 et on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Donc ça faisait pas mal de temps que je voulais avoir une chaîne YouTube et j'en ai enfin une. Et pour ma première vidéo, j'aurais aimé vous faire une vidéo de Pokémon, Pokémon X qui est une des versions les mieux. Et je sais que tout le monde aime Pokémon. Et bien avant d'avoir ma chaîne YouTube, j'ai déjà réfléchi à plein de vidéos que j'allais faire, quel jeu exactement. J'ai tout plein d'idées, tout, et j'espère que ça vous plaira. Et je ferai peut-être même des petits let's play. Mais bon, ça ce sera pas tout de suite. Donc dans Pokémon X, je vais vous présenter mon équipe, vous allez voir. Vous serez assez impressionnés. Il y aura même un Pokémon, je pense qu'il y en a qui voudront l'avoir, même moi, depuis le temps que j'attendais de l'avoir. Je vous dirai comment je l'ai eu, hein, c'est pas sûr que vous y arrivez aussi. Et après, je vais, vu que je suis à la ligue, eh bien, nous allons faire deux chambres aujourd'hui, celle de l'eau et celle du feu. Et dans une autre vidéo après, nous ferons les deux dernières chambres et Diantea. Donc c'est parti! Voilà, d'accord. Donc ça fait ça. Allez, au passage, je vais présenter mon personnage, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, je suis comme ça. Quand je prends le taxi d'Illumise, vous savez qu'on paye cher, mais ils disent je ne peux pas faire payer ce prix-là à une jeune fille aussi bien habillée. Donc je ne suis pas encore à la ligue, mais j'irai après, hein, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je vais vous présenter mon équipe. Donc Pokémon. Donc attendez, voilà. Donc voici mes Pokémon. Mewtwo. Qui a moi d'abord, Frappe Psy, Laser Glace et Giga Impact. Voilà. Donc ça, tout le monde peut l'avoir hein, dans toutes les versions X et Y. Arceuse, c'est lui que je vous disais, j'ai réussi à l'avoir. Vous savez, quand on fait une mise à jour pour avoir la version la plus récente, eh bien, on peut échanger avec d'autres gens. Et j'ai réussi à rencontrer justement un ami pour faire des échanges. Un gars qui est allé dans mes amis. Et je sais pas comment il a fait, mais il a eu plein d'arceuses. Il en avait même en shiny. Et il a accepté de en passer un à moi et à mon frère. Donc voici ses attaques. Jugement, Hurletant, Spacio Rift et Revenant. Voilà, ça. Élector, que vous pouvez aussi avoir... soit Articodine, soit Sulfura, en fonction du Pokémon partenaire que vous avez pris au départ. Donc comme moi j'ai pris Fennec, ça m'a mis Elector. Donc voilà. Mettez en pause hein, si vous n'avez pas le temps. Xerneas, vu que j'ai la version X, j'ai eu Xerneas. Si vous avez Y, vous avez Yvetal. Donc voilà aussi. Arcanin, que j'ai eu pareil que Arceus. Enfin non, j'ai eu dans un autre truc. Vous savez, il y a des Pokémon. Et il y a des gens qui disent ouais, j'aimerais avoir celui-là contre. Voilà. Au début, c'était un Kaninos et je l'ai fait évoluer avec une pierre-feu. Et pareil pour Feunerre, au début, c'était un petit Goupix. Donc voilà. Maintenant, je vais sortir de ma maison, hein, écoutez. Voilà, donc je suis à Bourg-Croquis. Ah, Serena, je crois que c'est... Ouais. Donc, attendez, je vais utiliser Vol avec mon petit Elector. Hop, s'il te plaît, fais-moi ça. Oh, désolé, ça c'est dur parce que je tiens en même temps que je filme, donc... excusez-moi, hein. Faut déjà que j'arrive à retrouver la ligue. J'arrive jamais à la retrouver. Ouais, parfait. C'est là qu'on va aller. Et aujourd'hui, nous allons faire la chambre de l'eau et la chambre du feu. Avec Narcisse et l'autre qui je s'appelle, je sais plus comment. Donc d'abord en Pokémon, moi je prends toujours le type électrique, qui est super efficace sur le type eau. Donc, un petit Elector. Nous allons te déplacer et nous allons te mettre là. Voilà, parfait. Maintenant, au revoir. Donc nous allons de ce pas aller à la ligue. Enfin, rentrer dedans, je veux dire. Bon, je vais faire avec la manette plus parce qu'avec le pad circulaire, c'est pas pratique là.
Aïe. Excusez-moi, en filmant, c'est pas trop pratique de jouer en même temps, hein, je suis désolée. Hop, va là-dedans. Donc j'essaierai de faire des vidéos qui durent 15 minutes maximum. Enfin, du moins pour des petites vidéos comme ça. Nous allons aller voir Narcisse qui est... Oula, j'ai dépassé la chambre. D'accord. Qui est juste là. Hop. Chambre du barrage, parfait. C'est ici que je voulais aller. Excusez-moi si je bouge un peu, c'est ma première vidéo, j'essaie vraiment de voir comment je pourrais mettre et tout, si ça le fait bien. Je pense que vous entendez assez là le son. Hein. J'aime bien, là, il va y avoir de l'eau qui va couler. Ah, parfait, nous allons aller le combattre. Allez, c'est parti. Hey, t'avances ? Je ne comprends pas. Dis-moi, jeune dresseur, une question me brûle les lèvres. Les combats Pokémon méritent-ils d'être qualifiés d'art? Bah oui. Je comprends. La cuisine est un art éphémère, les œuvres disparaissent aussitôt. Les combats terminés, le souvenir des victoires et des fêtes, lui aussi est destiné à s'estomper. En fait, l'art consiste à se donner corps et âme... Pardon, à la sensation sans s'inquiéter de son impermanence. Que nous allons combattre Narcisse. Hein. Okay, on voit d'abord un Gumblast. Donc vous allez voir le combat avec Elector. Vas-y Elector, j'ai confiance en toi. Donc voilà, on voit Gumblast qui est là, et mon petit Elector. Et je vais utiliser Tonnerre. Super efficace. Ouais, il est mort en un coup. Je vous dis, il a dit que c'est trop facile avec mes Pokémon. Bon, Arceus, vous ne devrez peut-être pas le voir à l'œuf parce que j'ai des Pokémon bien particuliers pour la Ligue. Mais je vous montrerai des combats avec tous mes Pokémon dans d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas. Donc, attaque, tonnerre, encore. Ils vont morfler tous ces Pokémon de type eau, là. Attendez, je vais baisser un peu le son par contre. Léviator. Ah. Excusez-moi. Non, on ne va pas changer. Et ben parfait, nous allons pouvoir passer la chambre de type feu, là, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Ça fait assez longtemps que j'ai pas joué et je connais plus trop les noms. Au moins ça c'est bien, ça me fait de l'argent, hein. Y a pas de problème là-dessus. Ouais, bon, je vais vous laisser lire là parce que c'est chiant quand je filme. Oui, bon, maintenant nous allons faire la chambre de type feu. Oh là là, je me demande si ça va pas dépasser 15 minutes. Là, c'est déjà 9. Donc, vous allez voir, je vais encore faire Elector. Et tu vas tourner par là, ma petite. Hop, c'est bien. Ouais, la chambre du brasier. Lol.
Mais là, les flammes vont sortir. Et voilà, nous allons aller l'affronter. Bon, j'espère que la qualité sera bonne, hein. Sinon, je m'en excuse d'avance. D'accord, Nemelios. L'évolution de Elionso. Je trouve génial cette nouvelle version en plus parce que au moins c'est bien, ils ont inventé des tout nouveaux Pokémon. Ça change un peu des anciens. Bon, mon coco, tu vas m'utiliser tonnerre. Il n'en parle plus. Ah, excusez-moi si vous avez entendu, c'est que j'ai dû recevoir un message. Charter. Non, je n'ai pas joué de Pokémon. Ouais, bon, je pense qu'on devrait largement avoir fini avant que ça dépasse les 15 minutes hein, de vidéo. Hop, il est KO. Plus que deux Pokémon. Ouais, bah écoutez, je pense que ça devrait le faire. Hein. Non, je n'ai pas joué de Pokémon. Hein. Non, merci. Alors lui, vu qu'il est de type feu et vol, vous allez voir, ça va être super efficace lui aussi sur lui, le type électrique. Utilise-moi tonnerre. Allez, on n'en parle plus. Hop, au revoir. Et son dernier Pokémon. Bah parfait, ça aura duré moins que ce que j'espérais. Non, d'accord. On lui lave. Allez, mon gars, tu vas mourir. Oh, attendez. Je vais un tout petit peu baisser le son. Voilà. Vous avez vu comme le combat était rapide? Ah, Arcanine est monté au niveau 75. Eh bah, très bien. Comme vous avez pu le voir, ils sont tous au niveau 100, hein, sauf Arcanine et Fenard, donc ça me permet de les entraîner la ligue. J'aime bien ce qu'elle dit, c'est bizarre. Bon, nous allons remonter et nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Hein. Je vous avais dit que je vous ferai que deux chambres. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires, à me laisser un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour les deux dernières chambres et pour battre Diantea. Allez, salut tout le monde !